Je m'appelle Kiman Baltib, j'ai 30 ans et je suis actuellement en fin de troisième année de doctorat en civilisation sud-africaine, donc du département anglais. Alors mon thème de recherche est sur Ubuntu, donc un terme africain. On peut le traduire par « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Donc ça a été amené en Afrique du Sud, surtout pendant la constitution intérimaire de 1993, qui énonçait justement le besoin d'Ubuntu et non de victimisation. On connaît un homme qui a été mondialement connu, premier président noir sud-africain, donc Nelson Mandela, qui a su justement reconstruire la société sud-africaine, essayer de mettre l'égalité dans tout le pays. Ubuntu, c'est considérer l'autre, c'est aller vers l'autre, le comprendre, lui parler, établir des échanges et du coup pouvoir trouver des solutions à des conflits. Alors l'Afrique du Sud, c'est une véritable passion. Donc ça a commencé en licence, donc en cours de civilisation sud-africaine, où j'ai été fascinée par l'histoire de Nelson Mandela, du peuplement de l'Afrique du Sud, etc. En Afrique du Sud, ce qui m'a plu, c'était de voir le combat identitaire qui a pu être mené. Et je trouvais qu'il y avait des rapports aussi avec nous, à La Réunion, notre complexe peut-être identitaire qu'il y a, toutes ces démarches multiculturelles, et ça m'a plu. Toute petite, je pensais être institutrice à la base. Mais en grandissant, je me suis dit, Kiman, tu aimes bien parler quand même, tu es très curieuse, donc oui, chercheuse, je me voyais chercheuse. Hein. Chercher quoi? Je ne savais pas encore, mais chercheuse, oui. En fait, j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours été curieuse et j'ai toujours aimé parler aux gens, finalement. Malgré ma timidité, j'aime bien pouvoir échanger et découvrir autre chose. Déjà, j'aimerais vraiment pouvoir terminer cette thèse doctorale-là qui, justement, va me donner un cachet supplémentaire pour pouvoir faire des recherches scientifiques. J'aimerais continuer à écrire des articles, pouvoir faire des conférences, pouvoir échanger, pouvoir faire connaître La Réunion. C'est une insertion pour notre rayonnement dans le monde entier.